Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un DIY. Donc c'est un DIY tout simple. Donc pour ça, il vous faut un taille-crayon. Donc je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est pour faire un taille-crayon personnalisé. Une boîte de tic-tac. Tout simplement parce que grâce à cette boîte, on a l'ouverture qu'il faut pour le taille-crayon. De la colle. Des paillettes. Un pinceau. Et mon pistolet à colle qui est en train de chauffer. Donc on va pouvoir commencer. Donc pour l'instant, on met de côté ça et on va commencer avec ça. Donc vous allez tenir la boîte comme ceci et commencer à mettre de la colle. C'est pour pouvoir placer les paillettes ensuite. Donc vous faites la forme que vous voulez. Moi, je vais tout simplement mettre ça comme ça. Bon, je suis désolée pour l'état du pinceau, hein. J'ai trouvé que ça. Alors, pour les côtés, c'est pareil. Il y a juste à s'arrêter. Où c'est que vous en étiez? Donc, le dessous, c'est pas obligatoire à faire. Bon, moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire, tout simplement. Donc là, sur les côtés. Et il n'y a plus qu'à rejoindre. Hop, pour que ça se termine. Pareil. Donc moi j'ai choisi trois couleurs de paillettes. De l'argenté, du doré et du rose. Donc je vais commencer par mettre de l'argenté. Si j'arrive à l'ouvrir. Attendez. Hop. Donc voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Donc comme je dis d'habitude quand j'utilise les paillettes, il suffira de remettre une couche de colle par-dessus une fois que ce sera la première couche sera sec. C'est ce qui fera tenir les paillettes. Donc voilà, j'ai fait la première couleur. Maintenant, je vais faire la deuxième couleur qui est le rose. Bon, j'ai vraiment pas un pinceau qui est super, mais bon, c'est pas très très grave. Hop. Donc vous faites vraiment comme vous voulez, après au niveau des couleurs, tout ça. Vous n'êtes même pas obligé de faire avec des paillettes, vous pouvez faire tout simplement avec de la peinture ou je sais pas quoi. Donc voilà, je prends le rose. Hop. Donc voilà, ça donne un truc comme ça. Hop. Bon là, il y a un petit peu de rose sur le gris, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre la troisième couleur qui est du doré. Donc c'est pareil, je mets la colle. Bon là ça va être un petit peu plus compliqué parce que pour retourner la boîte j'ai plus de point d'appui comme c'est pas sec.
Voilà. Donc au niveau des couleurs, moi je trouve que ça fait sympa. C'est vraiment pas simple à la fin. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, mettre la deuxième couche de colle pour que les paillettes tiennent. Et ensuite, ce sera terminé pour cette partie-là. Donc maintenant, on va passer à la partie avec le taille-crayon. Donc il suffit de regarder comment vous pouvez le placer. Donc moi, je vais le placer comme ça. Non, comme ça. Voilà. Donc il faut que je mette un point de colle par là. Hop. Si vous n'avez pas de colle de pistolet à colle, je pense que de la colle glue suffira. Donc voilà, c'est terminé. Donc j'ai rajouté des paillettes blanches à la paillette, je sais pas si vous allez les voir. Hop. Donc ça donne ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!